L'OPT vous présente la Minute Geek. Avec la 4G et bientôt la fibre optique, restez connectés. La Minute Geek. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais l'an dernier, je commençais toutes les Minutes Geek avec une phrase de philosophie Jedi, de sagesse Jedi. Et au cours de l'année, que s'est-il passé ? Paf ! Ils sortent Star Wars 7, succès international, un des films les plus vus au monde. Et donc, je me demande si je ne suis pas un peu à la cause de tout ça. Alors, je dis, si j'ai un super pouvoir, moi aussi, qui est de relancer des choses qui étaient peut-être tombées un peu dans l'oubli, je vais peut-être en profiter pour faire, pour redonner un coup de pouce à des acteurs culturels calédoniens. Emmène-moi sur cette plage, chère à mon cœur, mon île de lumière. Je veux voir le rivage, sentir la douceur. Voilà, donc là, si peut-être que je vais donner un coup de pouce à la carrière d'Edou, qui est peut-être un peu dans une phase un peu descendante en ce moment, hein, on n'entend plus trop parler d'Edou, voilà. On espère qu'effectivement ça va être un coup de pouce. Alors les moldus, les noobs, c'est à vous que je m'adresse, c'est la Minute Geek, et je voulais vous parler d'un truc qui va révolutionner votre vie. Oui, en Nouvelle-Calédonie, enfin c'est pas en Nouvelle-Calédonie, c'est depuis le 6 janvier 2016, Netflix a annoncé qu'il était disponible partout dans le monde, sauf en Chine et en Corée du Nord et en Syrie, mais on s'en branle que Daesh puisse pas avoir accès à Netflix. Enfin donc, Netflix est accessible partout dans le monde et même donc en Nouvelle-Calédonie. Netflix, qu'est-ce que c'est ? C'est un site de vidéo à la demande, VOD en anglais, vidéo on demand. Je parle trop bien l'anglais. Je vois Wamana Macha qui fait comme ça, je parle trop bien anglais. Donc, c'est un site de vidéo à la demande et ce qui a la particularité de produire les meilleures séries du moment, par exemple. Donc, qu'est-ce que c'est un site de vidéo à la demande ? Tu t'inscris, tu laisses ton nom, tu payes tous les mois. Le premier mois est gratuit pour Netflix pour t'appâter. Donc, tu peux regarder des séries ce mois-ci et regarder 24 heures sur 24 toutes les séries qu'ils ont gratuitement pour ce mois-ci. Et après, le mois prochain, faudra payer. Il y a plusieurs tarifications. C'est pas forcément cher, mais ça te permet de regarder les productions Netflix, par exemple. Alors, j'en citais quelques-unes. Narcos, qui est sorti l'année dernière, une excellente série Daredevil, une série Marvel, une autre série Marvel qui est vraiment géniale, c'est Jessica Jones, et ça pour les plus anciens. Il y a aussi Marseille. Alors Marseille, elle va sortir le 5 mai 2016. C'est une série en 8 épisodes qui a été tournée à Marseille avec Gérard Depardieu dans le rôle du Marseillais en scooter, ivrogne et russe. J'ai pas vu, hein, donc ça sort le 5 mai. Donc j'imagine hein, qu'il est russe et ivrogne. Et donc ils ne font pas que proposer des séries qu'ils produisent eux, mais ils ont acheté aussi des séries. Et donc ça nous permet de voir des séries du style Friends. Il y a les 10 saisons de Friends qui sont accessibles. Toutes les séries, elles sont en anglais sous-titrées ou en français à la demande, ou en d'autres langues si on veut la regarder en chinois par exemple, c'est possible aussi pour certaines. Dans les séries achetées, ça c'est un clin d'œil pour ma fille, il y a H2O qui est une série australienne qui parle de sirènes. Ma fille en est fan et elle arrêtera de me tanner avec ça maintenant, parce qu'elle pourra les regarder sur Netflix. Et puis alors là, pour tous les geeks comme moi, il y a Twin Peaks, les 2 saisons de Twin Peaks en version restaurée, en français ou en VO sous-titré. Donc on attend la 3e saison qui devrait sortir là cette année, mais là je ferai un épisode par spécial Twin Peaks de la Minute Geek à ce moment-là. Et puis on peut trouver un immense catalogue de films en VO ou en VF ou certains même qui ne sont pas en VF, mais la plupart des films sont disponibles en version française ou en VO. Donc ça c'est sur le site Netflix.com et ça va changer notre manière de voir la télé, c'est-à-dire vidéo à la demande, je regarde la série quand je veux, à l'heure où je veux, dans l'ordre où je veux.
Et ça, ça va nous changer la vie, parce qu'on peut regarder les séries dans le bon ordre, contrairement à la télévision, où ils s'amusent souvent à changer l'ordre des épisodes, ce qui est très chiant. Voilà. Et du coup, sur Netflix, on peut quand même regarder dans le désordre. Et si tu veux, tu peux regarder dans le désordre. Par contre, ils t'incitent fortement à la regarder dans l'ordre. Et ils te disent, tu n'as pas vu l'épisode 1 Ah oui, mais donc t'as pas le droit, c'est un peu liberticide quand même. Non, tu peux regarder, tu peux commencer par l'épisode 3 si tu veux. Parce que ton cousin américain t'a envoyé la VHS des trois premiers épisodes, donc tu peux commencer par la quatrième. Alors là, j'ai trouvé aussi une application sur Internet qui va changer notre vie. Enfin, moi, depuis que j'ai découvert ça, ma vie a changé. C'est une application que tu donc télécharges sur ton téléphone portable, sur ton smartphone, qui s'appelle... J'écris des notes dans tous les sens, c'est impossible pour moi de les retrouver, qui s'appelle Fetch. F-E-T-C-H, Fetch. Alors, j'explique le procédé de Fetch. Je sais que ça va te passionner, Wanamacha. Ah oui. Donc, cette application te permet, au moment où tu photographies un chien, de te dire... quelle est la race du chien et ses caractéristiques principales. Et si ce chien est un bâtard, eh ben ça te dit de quelle race ce chien est croisé, avec des pourcentages et des caractéristiques comme sa taille, son poids, mais aussi la personnalité des chiens. Vraiment une application vraiment super intéressante. Vraiment complètement, complètement dingue, qui va changer notre vie. Car moi, à chaque fois que je me balade dans la rue, que je vois un chien, je me dis, mais quelle est donc cette trace de chien? Mais qu'est-ce qu'il mange, ce chien? Mais quelle est sa taille? Et quelle est sa personnalité? Donc, j'ai testé pour vous. Et donc, j'ai mis une photo de Wanamacha dans l'application pour regarder de quelle race de chien il s'agissait, car cette application, qui est très intelligente, permet de faire ça. Sachez que Wanamacha est plutôt de la race Otterhund. C'est un chien un peu frisé qui a des poils dans les yeux. C'est un chien affectueux, enjoué, sociable, très attaché à sa famille. Il est intelligent et indépendant, mais un peu têtu. Son éducation demande fermeté et patience. Par contre, il perd ses poils et il est conseillé de le brosser de manière hebdomadaire. Sa barbe doit être nettoyée à l'occasion. Je savais pas que les chiens avaient une barbe, mais sa barbe doit être nettoyée à l'occasion. Impressionnant, hein? Bon, je vais pas me moquer que de Wanamacha, je vais regarder un peu, moi, ce que j'étais. Donc, j'ai mis une photo de moi. Okay. Et donc, moi, je serais plutôt du type bulldog anglais. Donc, qu'est-ce que le bulldog anglais? Alors, bon, déjà, le bulldog anglais, c'est le chien qui bave, hein. Tu vois? Ok. Donc, bon, c'est pas hyper flatteur. Pourtant, c'est un chien qui est très sympathique et doux et tout à fait équilibré. Ah, ça, je me suis dit, mais effectivement, c'est moi. Je suis fidèle. Eh oui, je n'ai raté aucune émission dans Nemix Weekend. Je suis quand même fidèle. Je suis le compagnon parfait pour les enfants et les personnes âgées. Et maintenant, je sais pourquoi le directeur d'antenne m'aime autant de ses premières. Non, ce n'est pas un enfant, hein. Je n'ai pas besoin de beaucoup d'exercice. Enfin, le bulldog anglais n'a pas besoin de beaucoup d'exercice. Et c'est tout à fait moi. Attention, tendance à l'obésité, surveiller son alimentation. Ok. Alors, je me suis dit, qui c'est que je pourrais regarder? J'ai mis une photo de quelqu'un qui est dans ce studio radio, mais je ne citerai pas son nom parce qu'elle est juste à côté de moi, je ne voudrais pas qu'elle me tape. Virginie est un caniche toy. Ce caniche toy, c'est un petit chien qui a plein de bouclettes et une frange sur les yeux. C'est marrant, ça, hein? Bah ouais. Ok. Pourquoi? Je ne sais pas comment j'étais coiffée ce jour-là. Le caniche toy est un chien curieux, joyeux, sympathique et intelligent. Certains disent que c'est le chien le plus intelligent du monde. Wow. Voilà. Wow. Et pas seulement le producteur d'Endemix Weekend. C'était écrit après. Ok. Ce chien a tendance à japper. Ça, c'est pas super sympathique. Il exige beaucoup d'affection et d'attention. Virginie, on t'aime. Merci, Virginie. On te le dit pas suffisamment. Merci, Gwen. J'avais très peur de vexer l'invité, alors je l'ai pas fait avec l'invité. Dommage.
Non, mais si, je l'ai fait avec l'invité. Vite, alors, parce que le temps nous est compté, malheureusement. Okay, je vais très vite. Vas-y. Alors, où est passé le... en plus, si. Ah ouais, tu serais plutôt genre terrier de Norwich. Alors, c'est un chien brave, alerte, courageux, équilibré. Équilibré, je me suis dit, ah oui, ils savent que t'es danseuse, parce que les danseuses, ça mérite de l'équilibre. Il adore les défis. Et... elle est pas bien, cette application? Tu es en train de lancer un nouveau défi? Il peut développer des troubles du comportement s'il ne reçoit pas assez d'attention. C'est pas faux. T'as vu? Il doit absolument faire de l'exercice et se dépenser tous les jours. Oui. Ouais. T'as vu, ça te correspond? Ouais, ça? Oui. Voilà. Bon, c'est une application qui fonctionne. Non, c'est, voilà, elle s'appelle Fetch, cette application. On va passer toute la rédaction dans des mix, je crois, et même la technique peut-être. Rocky, je ne l'ai pas fait pour toi, je ne savais pas que c'était toi. Comment je l'aurais fait? Et voilà, j'ai fini ma Minute Geek pour aujourd'hui. C'était la Minute Geek avec l'OPT. OPT, le monde à portée de main.